Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de börek turc super simple à réaliser. Donc vous êtes souvent nombreuses à me demander le paquet des produits que j'utilise. Alors c'est de la pâte comme ceci, donc vous trouvez ce paquet dans les épiceries turques. Et le fromage, ben, c'est ça. Après le fromage vous pouvez en trouver un petit peu partout, c'est du fromage comme du feta. Mais la pâte c'est ça en fait, c'est de la pâte filo, on va dire ça comme ça. Vous en trouvez dans les épiceries turques. Alors la facilité, c'est que je vous conseille de les prendre déjà coupés en triangles comme ceci. Donc le paquet, peu importe la marque, ça sera un paquet comme ça. Donc là, on va commencer à faire nos beurrés. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Vous avez besoin d'un paquet ou deux, tout dépend de la quantité que vous voulez faire. Vous aurez besoin de la pâte, du fromage et un petit bol avec de l'eau pour tremper les extrémités de la pâte pour la recoller. Alors moi comme garniture, bah, j'ai utilisé du fromage car c'est ce qu'on aime le plus. Mais vous pouvez très bien faire une farce au poulet, au hachis, aux pommes de terre, vraiment comme vous le souhaitez. La seule chose à faire attention, c'est le pliage. Comme vous voyez, j'ai rabattu les deux côtés pour éviter que la farce elle coule ou qu'elle sorte pendant la cuisson. On vient le rouler et on trempe le bout dans de l'eau et on termine de rouler tout simplement comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment simple, mais ils sont extrêmement bons, hein, donc ne vous fiez pas à la facilité de la recette. Au contraire, vous serez vraiment agréablement surpris. Donc je vous conseille vraiment de tester cette recette. C'est une recette qui est très pratique et dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez les congeler aussi. C'est vraiment un côté pratique, donc les jours où vous n'avez pas le temps, vous avez juste à les sortir du congèle sans même les décongeler, hop, vous les faites cuire et une salade à côté et basta, votre repas est prêt. Comme j'ai dit, vous pouvez très bien faire une farce au poulet ou vraiment, la farce, c'est vraiment comme vous avez envie. L'important, c'est de bien plier les côtés pour éviter que la farce elle coule ou qu'elle s'échappe pendant la cuisson. Sinon, le reste, ben, c'est le même procédé. Donc, on fait comme ça jusqu'à ce qu'on n'a plus de pâte. Tout dépend la marque et le paquet que vous achetez, mais en général, vous en avez pour au moins, je dirais, une vingtaine de börek. Après, comme j'ai dit, ça dépend la quantité que vous voulez faire. Mais comme vous aurez ouvert le paquet, je vous conseille de terminer tout le paquet et de congeler une partie que vous ne voulez pas cuire le jour même. Voilà, pour ma part, ben, j'ai tout fait. Et je vais en congeler une partie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé tous mes beurrecs. Alors pour nous, pour aujourd'hui, ben, vous vous en doutez bien que c'est un petit peu beaucoup. Donc je vais en congeler une partie pour les cuire un autre jour. Donc je les mets dans un sachet de congélation. Donc la quantité c'est comme vous voulez, hein. Sinon vous pouvez même tous les congeler et ça ne risque pas de se coller entre eux. Donc vous pouvez les sortir sans problème. Donc on referme bien et vous mettez le sachet tel quel au congélateur. Voilà. Et quand vous voulez le faire, bah, vous avez juste à les sortir sans même les décongeler. Vous les mettez dans l'huile chaude, comme ceci. Donc il est très important que l'huile soit très chaude pour bien les frire. Ça va cuire en quelques secondes, je dirais même pas 1 minute. Donc c'est très rapide, mais l'important c'est que l'huile elle soit très chaude. Voilà, donc moi j'utilise de l'huile de tournesol. On vient les faire frire sur tous les côtés. Bon, des fois, c'est pas évident de les tourner car comme c'est des ronds, ils ont du mal à rester sur le bon côté. Donc, à l'aide de la pince, ben, vous aidez un petit peu, c'est tout. L'important, c'est qu'ils soient bien frits sur tous les côtés. Comme ceci. Je vous dis, la cuisson, c'est vraiment très, très, très rapide. Et comme vous avez vu, ça c'est la recette la plus simple. Plus simple que ça, vous n'en trouverez pas. Hein. Donc c'est vraiment une recette super simple. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de... rien du tout. Juste votre farce et la pâte, c'est tout. Et de l'huile, bien sûr, pour la friture. Voilà, donc c'est une recette, j'espère, qui vous aura plu. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et si vous souhaitez d'autres recettes
Ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais en prendre note et puis je les filmerai avec plaisir, selon vos demandes. Vous voyez, ça cuit vraiment très rapidement. Testez vraiment cette recette, vous ne serez pas déçus. Voilà, bon, tous mes burek sont cuits. Donc j'avais un problème de luminosité, je suis désolée, il faisait vraiment un temps pluvieux dehors, donc la luminosité n'est pas top, je suis désolée pour ça. Regardez-moi ce croustillant. Vraiment magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Et ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Donc, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!